straight. L'immense chance qu'on a eue même par rapport au stockage des collections, etc., c'est que Clément ici a été volontaire international pendant 2 ans. Il était justement en charge du transport des collections d'anciens musées vers le nouveau musée. Donc en fait, il est un de ceux qui connaît le mieux les réserves du musée d'Addis Abeba. En fait, pour nous, c'est une chance formidable. Et en plus, il a pu comme ça mettre 2-3 jalons épistémologiques intéressants, comme le fait que nos collections sont dans des meubles de Desmond Clark. Ce qui, évidemment, pour moi, a beaucoup de sens. Là, ce que tu fais, c'est que tu parles. Non, juste, tu filmes pas dans l'escalier. Tu vois, bon, mais dans le storage, je pense que tu vois, ça sera jouable. Des années 70, donc le plus vieux Middle Stone Age d'Afrique de l'Est, étudié par Katia dans sa thèse, là, tu vois, tac, c'est là. Nous, on a la chance, tu vois, c'est vrai que c'est rien d'avoir ce gros meuble, bubu là, décarouillé, tu vois, c'est vrai que c'est plaisant. Et la faune, elle est là. Tu peux. Non. Alors attends, le seul truc, tu peux. Ouais, c'est peut-être celui-là. Tout ça, mais ça, Joséphine, je sais pas si finalement elle a eu le temps de regarder, c'est tout ça, c'est des trucs que j'ai réisolé suite à ce. Mais je crois qu'entre temps, elle était revenue qu'elle l'avait étudié. Ça, c'est ce que j'avais réisolé. Là, ils sont en train de faire tous le point, parce que tu vois, là, tu as Lucie qui va travailler sur la faune, Katia qui va travailler sur le lithique de DKW4 et qui va peut-être revoir pour ça B1S3 et DKW1, Clément qui lui va qui pilote un peu l'ensemble et qui est en train de leur montrer, tu vois, toute la disposition des plateaux, etc., etc., pour que chacun puisse y retrouver facilement. Après, là, c'est des conditions de conservation remarquables. Quand on est arrivé ici la première fois, en 2007, c'était encore l'ancien musée construit par les Italiens. Et c'était un bordel absolument innommable. Un truc, si tu veux, tu rentrais là-dedans, c'était monstrueux, quoi. Les meubles, par exemple, les meubles blancs là, qui contiennent des collections, certaines collections d'Esmond Clark, enfin, c'était pas ceux-là, c'était d'autres d'ailleurs, c'est pas ces collections, mais peu importe. Ils étaient dans des cagibis, il fallait bouger, tu vois, des mètres cubes de vieilles malles de terrain, des trucs entassés là depuis les années 50, c'était dingue. Et là, maintenant, donc, il y a ce grand musée qui a été construit, avec des fonds internationaux, tu vois, qu'on va le construire, et du coup, là, il y a vrai qu'il y a un storage, tu vois, qui est digne de ce nom. C'est super. C'est... Ah, là j'ai 71,7. Ouais, mais c'est à l'achat. C'est le 5. Enfin, le 5, enfin, je sais que c'est. Ça, c'est les belles boîtes qui serviraient à garder les collections. Ah, là, mais il y en avait une à la maison. Ah, ça, c'est les maisons. Les... Ah, puis on pourra plus l'aménager. Du coup, si tu veux, t'es sur le bedrock avec des pendages sortants comme ça. Donc, en gros, il peut perdre ses dimanches, il se dépose. Dès que toi qui tombe à la pente. Et en fait, on a trouvé deux où il y a par contre un beau potentiel sédimentaire. Et là, on vient juste de finir la fouille. On n'a pas encore les dates, on n'a rien. C'est un peu du pif ce que je vais te dire. Mais on sent quand même qu'en tout cas, on a trouvé des industries différentes de celles qu'on a dans la bulbula. Et donc, il y a toutes les chances qu'elles soient complémentaires d'un point de vue chronologique. Et qu'en gros, nous, ce qu'on espère, c'est que quand les types, quand le lac était trop haut, hop, ils allaient se mettre sur les rochers, au-dessus, parce que là, c'est le cas, toi, c'est des abris qui sont dans une petite colline qui est perché au-dessus de ce qu'était le haut niveau des lacs. Et puis bon, c'est des jolis abris, il y a plein de matériel, il y a des charbons, on peut dater, tu vois, il y a du matos. Enfin, donc du coup, là... Donc c'est très positif. C'est très positif, ouais. Donc l'idée, ça serait pour moi de trouver aussi, du coup, cette année, donc des fonds, des financements, peut-être par la voie aérienne ou Liqui, qui finance des missions de terrain, surtout. Une petite chose, c'est qu'on a réalisé qu'en fait les pêcheurs, un détail mais important quand même, ne pêchaient qu'au bord des lacs. Donc en fait tous les poissons qui vivent au milieu du lac, on n'a aucune chance de les choper. Okay. Donc on se demande, d'ailleurs sur une idée de Stéphane, si ce ne serait pas mieux de faire venir un pêcheur. Non, mais même un pêcheur à la ligne, okay. Français, okay. Qui essaierait d'aller taquiner
le labé Berbus au centre du lac, parce que c'est un peu la seule façon qu'on aurait de choper certaines espèces qui ne s'approchent pas des bords et donc sont de fait pas pêchées. On est au CF, au Centre français des études éthiopiennes. C'est un laboratoire du CNRS et on soutient les recherches qui sont menées en Éthiopie, en sciences sociales, mais en archéologie, en paléontologie. Le CFE, c'est vrai que c'est une base logistique. On est une unité de service et de recherche du CNRS, donc c'est un labo un peu particulier, parce qu'on a cette dimension de service. Donc une base logistique, ça veut dire on a des chambres austères, on a des voitures qu'on peut mettre à disposition des missions. Comme ça, on règle un peu toutes ces difficultés, on offre des voitures qui sont bien entretenues, des chauffeurs qui sont fiables, qui travaillent avec nous depuis très longtemps, etc. Mais je pense qu'il faut ajouter un autre aspect aussi, c'est l'administration, les autorisations, la relation avec les autorités éthiopiennes. C'est un aspect important et c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup pour préparer les missions que vous réalisez ici. Ah, bah de la préhistoire, donc très important ici, bien entendu, comme domaine. C'est un vecteur clé de relation avec les autorités éthiopiennes pour nous aussi. L'autorité en charge du patrimoine, ici en Éthiopie, est très demandeuse de ce type de partenariat. Elle est très contente de voir arriver de belles missions comme celle-là. Voilà, pour nous, c'est l'occasion de montrer qu'on existe auprès des autorités éthiopiennes. Et du côté des chercheurs français qui viennent, c'est des gens très sympas et très passionnés qui m'apprennent le béaba de la préhistoire. Et c'est encore difficile, mais je vais y arriver. Et voilà, qui travaillent très bien et qui ont plein de projets. Et nous, on doit accompagner ça, on en est ravis. C'est vrai, alors, il y a cet aspect très fort dans cette mission qui est de former, d'intégrer des masters et des doctorats. Et ça, c'est super parce que nous aussi, on doit penser au renouvellement des chercheurs spécialistes de l'Éthiopie, spécialistes de la paléontologie, de la préhistoire, de l'histoire, des sciences sociales. Et grâce à cette mission Let's Stone Age, on voit déjà des jeunes, bon, on sait qu'ils seront toujours là maintenant, ils seront toujours avec nous. Que